Fais pas une tête comme ça, Greg, c'est la nouvelle année. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite, voilà, comme j'étais en train d'en parler, une très très belle année 2024, en espérant que tout aille bien pour vous. La santé, évidemment, les projets, la famille, l'amour, l'amitié. Enfin, que de bonnes choses, c'est tout ce que je vous souhaite. Que tout aille bien, que voilà, si vous êtes collectionneur, ou que vous avez des passions, que voilà, je sais même plus quoi. En fait, je viens de faire un live, je sors d'un live de mon groupe Facebook et je parlais que j'avais bu trop de coca. C'est vrai, j'ai bu 3 litres de coca cette nuit, un truc de malade. Donc voilà, j'étais pas bourré, mais putain, j'avais mal au ventre et tout. En plus, on a bien mangé. Donc voilà, passé une très très bonne soirée. J'espère que vous aussi, c'était magnifique. Et on a bien commencé l'année. Donc voilà, première vidéo de l'année, mais avec mes achats de l'année dernière. Du coup, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. J'étais un petit peu flemmard, j'avoue. J'ai beaucoup regardé la télé, j'ai beaucoup regardé des séries, des films que j'ai achetés. Et vous allez voir, il y a des belles petites pépites qu'il est rare de trouver, surtout un. J'ai regardé pas mal de séries, évidemment, que j'ai sur des disques durs, que j'ai postées un petit peu sur le groupe, notamment Notre Belle Famille, avec Patrick Dufy, Suzanne Sommer, Sacha Mitchell. J'ai regardé quoi encore? J'en ai regardé tellement. J'ai regardé évidemment ce que je vais. Putain, sérieux, je suis bourré là, mais ce que je vais vous présenter là. Mais honnêtement, en 15 jours, j'ai fait beaucoup de jolies rentrées. J'ai été très gâté. Je vais pas vous présenter ce qu'il y a derrière. Je l'ai filmé. Vous voyez, il y a une roue là derrière qu'on m'a donnée, qui vient d'une assoce. Donc. La vidéo là de ce très très bel ensemble Sony, donc il y a l'ampli, je vous en parle. On se laisse là, on fait pouce, je mets une petite vidéo, j'ai eu des affiches de cinéma, je vous mets tout ça et après on attaque sur ce que je vais vous présenter là. Voilà, donc à tout de suite, donc présentation de la chaîne IFI avec les haut-parleurs, la roue de la fortune, si vous voulez, quelques photos des nouvelles affiches de cinéma que j'ai reçues. Après, je vous parle aussi de CPLV, présentoir, la totale Avatar en Play 5. Donc, je suis très content. Bon, on se retrouve tout de suite. Restez là, regardez ça, c'est vraiment franchement très très bien, je suis très content. Et après on se retrouve. J'ai aussi des bons plans pour vous. J'en ai parlé hier sur le groupe également, mais je vais vous en parler. Vous allez voir, il y a des bonnes affaires à faire. J'en ai fait hier et je regrette pas. Ça va me permettre de décorer mon vidéo club maison que je suis en train de construire une nouvelle fois. Donc voilà, mais cette fois-ci dans ma maison. Voilà, et c'est un petit peu en train de se construire. Bon, allez, bon, j'arrête de parler. Arrête, 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 tu parles trop. Voilà, petite vidéo, petite photo sur un petit air de musique et tout, comme d'hab, et on se retrouve tout juste après. À tout de suite, les amis. Donc voilà les amis, présentation de cette chaîne IFI de marque Sony, couleur gris, métal, argenté. Donc voilà, qui se compose de trois éléments. Donc le lecteur CD, le lecteur mini-disque, l'ampli évidemment. Je ne l'ai pas branché parce que ben, je suis un peu loin, de toute façon je ne peux pas mettre de musique à cause des droits d'auteur. Mais donc voilà, bon j'ai enlevé. Les enceintes sont de marque. Je vais le mettre là pour ne pas être sur les enceintes, mais de marque Jamo. Je les ai enlevés tous les deux, donc pour vous montrer la qualité des enceintes. Bon, je les ai nettoyées. Hein. Franchement, il y avait un tas de poussière dessus et elles sont
mais d'une qualité. Même le bois, il n'y a rien d'abîmé, il n'y a rien de. Franchement, c'est du très 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 beau matériel. C'est vraiment de la haute fidélité. Et avec ça, pour ne rien gâcher, c'est que tout est complet. Donc, il y a la télécommande pour le CD, le lecteur mini-disque et l'ampli. Et elles vont toutes. Donc voilà, j'ai un petit. Voyez un petit peu. J'ai nettoyé grossièrement, mais il y a un petit travail avec un petit coton-tige à faire pour passer entre les touches. Mais voilà, elles sont toutes fonctionnelles. Et je vous dis, il y a un son hyper puissant et d'une qualité sonore, c'est magnifique. Voilà, donc je suis très content, un très très beau cadeau. Et elle est bon, peut-être pas complète, peut-être qu'il y a un equalizer qui devrait exister. Et une platine vinyle, mais autrement c'est du très 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 beau matériel. Voilà, et puis après ben, la roue de la fortune. Donc voilà, je vous montre comme ça. Donc récupérer à une association. Je vous avais parlé dans la vidéo que je vous mettrais la vidéo que j'avais fait pour le groupe, mais du coup comme ça je fais d'une pierre deux coups. Ce qui va me faire gagner un petit peu de temps. Donc, cherchez pas la case du million, elle n'existe pas. Mais voilà, ça faisait partie d'une assoce qui faisait gagner des lots, des bons d'achat chez des commerçants et tout ça. Voilà, elle est sur pied. Voilà, les amis. Donc, très très belle rentrée. Objet assez atypique aussi, très coloré et qui rappelle aussi un petit peu les années 90 avec ce fameux tirage. C'était la roue de la fortune. Voilà les amis, je vous souhaite. On se retrouve tout de suite après. J'allais dire, je vous souhaite une bonne soirée, mais non. On se retrouve tout de suite pour la vidéo et la présentation des achats. Voilà, tout de suite. Bon voilà, retour les amis. J'ai le temps de boire un petit verre. J'espère que voilà, c'est ce petit, cette petite présentation vous aura bien plu. Vous avez vu. Cette chaîne qui est juste magnifique. Et là, je rêvais d'en avoir une de cette couleur parce qu'on a souvent dans les chaînes IFI, comme j'ai là-bas, j'ai du matériel de dingue hein, et je l'adore. Hein. J'ai du Technics, j'ai du Yamaha, j'ai du Sony évidemment, j'ai Technics, je l'ai dit, j'ai du Philips aussi, mais j'ai beaucoup, beaucoup de choses. Mais là, récupérer cet ensemble-là. En fait, c'est une récupération que j'ai faite. Je parlais avec le client. En fait, j'ai parlé avec le client il y a un petit moment déjà. J'ai montré des photos de la. Et en fait, il disait, mais moi, j'ai mon papa, il y a eu, mais nous, on n'est pas fan. Mais si vous voulez, on ne savait pas quoi en faire. Je voulais le mettre sur le bon coin. Mais je dis, c'est du super matos. Essayez de le vendre. Vous avez trouvé quelqu'un. Il dit, je ne sais pas combien ça coûte. Je dis, honnêtement. Rien que le lecteur mini-disque, vous pouvez le vendre entre 50 et 100 euros. C'est très recherché. Et le plus dur à trouver, bon, déjà, l'appareil, ça ne court pas les rues. C'est Sony, quand même, déjà, la marque. Et après, trouver les mini-disques pour mettre dedans, c'est pas facile non plus. Donc, je dis, vous pouvez. Et les enceintes, Jamo, vous avez vu, c'est un truc de dingue, puissance 150 watts. Je les ai même tellement l'ampli est puissant, j'ai essayé hein, de le mettre à fond et tout ça, mais après on a un petit peu peur de péter les boomers ou les enceintes et tout ça. Mais c'est un son, une pureté. Honnêtement, je suis vraiment ravi. Et il m'a dit, mais voilà, bon, on arrive aux fêtes de Noël. Je vais vous les offrir, je les rapporterai la prochaine fois. Je ne sais pas quand, ce sera peut-être en fin d'année ou en début d'année. Et en fait, il me les a rapportés. Bah, on a travaillé le 23. Enfin, on a travaillé, on est bénévole, mais on était présent le samedi 23. Il me les a rapportés le samedi 23, il était 10h30. Et donc voilà, il m'a dit, voilà, je vous rapporte ce que je vous avais promis. Et voilà, ça franchement, c'est un truc de dingue, il ne savait pas quoi en faire. Il avait prévu de le mettre en vente, mais il ne voulait pas. Il dit, je ne suis pas trop, voilà, il n'est pas trop, on va dire... sur le bon coin, les trucs et tout ça. En fait, c'est quelqu'un qui n'achète rien et qui ne revend rien. Lui, il préfère aller en boutique et acheter en boutique. Il n'est pas trop sur ce qui se fait sur Internet. Donc voilà, donc j'ai eu ça.
La roue, ben, je vous ai tout expliqué. En fait, j'ai repris, j'ai pas refait une vidéo. J'ai fait la vidéo que j'ai mise sur le groupe dans la semaine quand je l'ai récupérée. J'ai récupéré mercredi donc une roue qui appartenait à une association qui organisait des jeux et tout ça. Ils organisaient tantôt des lotos, tantôt des soirées, des bals et tout ça. Il y avait des lots à gagner et tout ça. Donc il y avait cette roue qui était destinée. L'association a été dissoute. Et donc voilà, il restait la roue qui traînait dans un garage. Donc la dame me l'a rapportée. Et puis voilà, moi je parle beaucoup aux gens. Hein, et c'est ça qui me permet, je pense sans doute, d'avoir des trucs comme ça qui rentrent. C'est assez atypique, hein, cette roue de la fortune. Donc je suis très content. Vous voyez dans la vidéo que j'ai fait mercredi, elle ne date pas d'aujourd'hui cette vidéo, mais le million, on en a beaucoup parlé sur le groupe, on a beaucoup rigolé avec ça, mais voilà, c'est un bel objet, très coloré, ça donne un petit cachet dans la collection, moi j'adore. Donc voilà, allez, on y va, je suis très très pressé, je dois aller chez mon président, on est le 1er janvier, il m'a appelé tout à l'heure, sa télé ne fonctionne plus, il a un problème avec sa box et tout. Donc voilà, mon président d'Emmaüs, Dominique, qui regarde pas YouTube, donc je peux dire que je l'aime beaucoup, je l'embrasse, il me fait tout le temps des super trucs, il dit j'ai ça pour toi, j'ai ça pour toi. Voilà, parce qu'on est bénévole, mais on a de la chance d'avoir un président, un coprésident qui, voilà, sont très très proches de leurs bénévoles. Ils nous remercient beaucoup d'être présents et de notre ponctualité, de notre présence, de faire nos ventes, puisque je pense être un très 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 bon vendeur. Voilà, j'ai vendu plein de trucs cette semaine, mais je parle beaucoup aux gens, je les oriente, j'essaie de les conseiller. Au cas où ils ont des soucis, ils reviennent vers moi, ils rapportent l'appareil, et je réexplique et tout, ils prennent des notes, ou ils prennent des vidéos. Enfin, c'est vraiment, c'est quelque chose que j'affectionne vraiment beaucoup, ce rendez-vous, donc 3 fois par semaine, et j'y suis quasi à chaque fois. Donc voilà, allez, bon, je vais arrêter de parler. Donc, j'ai acheté ça à un collègue qui me parle. Donc, il a 68 ans. Une petite dédicace à Kiki, Christophe, voilà, de son prénom. Et qui me parle souvent de jeux vidéo. Il a eu des consoles et tout ça. Mais voilà, 68 ans. Il joue plus, il se débarrasse, il essaye de gagner un petit peu de sous et tout ça. Et donc voilà, il m'a vendu ça. Donc c'est 2 Game Boy Color, donc couleur framboise et couleur vert pomme. Ouais, je sais pas si on peut l'appeler vert pomme, je pense que j'en ai une qui est plus claire que ça en Game Boy. Mais donc voilà, elles sont de très très belle qualité. Il en a pris soin. Regardez, il n'y a pas une griffe. Bon, je les ai nettoyées parce qu'elles étaient dégueulasses. Franchement, je dis non mais t'abuses, t'as du super matos et tu laisses. Ouais, mais dis. Je les ai achetés à l'époque, j'ai quasiment jamais joué, et voilà, il m'a offert. Donc voilà, là par contre, on est sur une cartouche Game Boy, donc Pokémon, la couleur jaune. Donc voilà, il m'a vendu ça, il m'a dit, oh, donne-moi 10 balles. Je ne devrais pas vous le dire combien j'ai payé, parce que je sais que ça peut déstabiliser, ça peut. Voilà, dire putain, mais ils trouvent tout le temps des trucs. Mais oui, les amis, c'est une vérité. Après, je vais pas prendre des vidéos à chaque fois que j'ai sur le groupe, sur notre groupe, mis la photo. J'étais bien sur le comptoir. Donc, à Emmaüs, il me les a donnés, il me les a vendus. Il dit, oh, donne-moi 10 euros parce que je veux acheter des DVD. Et donc, j'en ai pour 10 euros. Donc, il dit comme ça, bah, je ne les paye pas. Donc, voilà. Ça s'est fait comme ça, j'ai dit mais t'es sûr, ça vaut plus et tout ça. Il dit non, non, mais c'est pas une question d'argent. C'est vrai qu'il n'est pas axé sur l'argent. Il aime bien les DVD. Par contre, j'en avais quelques-uns en double qu'il n'avait pas. Je lui avais montré des photos, dont une série que j'ai en double, un intégral, et je lui ai offert ce qui me paraissait un peu plus juste et normal dans cette transaction. Parce que, bah, regardez, franchement, c'est d'une qualité, mais franchement. Bon, après un gros nettoyage, hein, je vous le dis. Je même dis, Kiki, franchement, t'abuses, là, t'as du super matériel. Je suis allé en plus samedi regarder faire les magasins, chiner comme d'habitude. J'ai vu celle-là, les amis. On est à 99 euros.
Donc voilà, donc je suis content, j'ai fait une belle affaire. Pour lui, il a fait une très belle affaire. Il a eu du DVD, il a eu les 10 euros qu'il demandait. Donc j'ai offert une dizaine de DVD que j'avais en double. Moi, ça me permet un petit peu de me débarrasser. Et une série que j'avais, je l'ai trois fois en fait. Je l'ai une fois déblisté et je l'ai, enfin deux fois déblisté, une fois blisté. Donc j'ai gardé une déblistée et une blistée, et je lui ai offert la troisième. Enfin, on a fait un échange, quoi. Et je lui ai donné un billet de 10 euros, il voulait 10 euros. Donc voilà, donc très content de ces deux Game Boy Color et de ce petit Pokémon en Game Boy. Donc voilà, en jeu vidéo, j'ai eu ça. Après, bon, ça, je les ai achetés, mais bon, on est à 50 centimes du jeu, mais je les ai pris parce que j'ai eu un cadeau aussi de la part, bah, d'un collègue. Encore une fois, je vous en ai parlé d'un PC portable, Windows XP, et voilà, donc j'ai eu les jeux à 50 centimes. Donc Astérix Obélix, c'est lequel celui-là? Astérix Obélix tout court, le Midtown Madness, que j'ai aussi sur la Xbox première génération, et le Indiana Jones et la machine infernale. Alors là, j'ai regardé un petit peu des vidéos, je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas installé, je n'ai pas eu le temps. Ça ressemble un petit peu, si tu veux, on va dire, sur le principe et la qualité visuelle du jeu à un Tomb Raider sur Play 1, quoi, tout simplement. Après, je n'ai pas joué, je n'ai pas installé les jeux, je n'ai pas eu le temps. Pourtant, j'ai eu du temps, voilà, j'ai pris le soleil, il a fait bon, j'écoutais la musique, j'écoutais beaucoup la musique. J'ai oublié de prendre les vinyles. J'ai acheté hier 40-45 tours, un hein, cash. Voilà, mais du bon, du très bon. Pour le coup, je vous les présenterai semaine prochaine. Et j'ai aussi, et là c'est encore un cadeau, j'ai eu deux manettes Play 4. Il manque sur les pads, il manque les caoutchoucs. Donc ça, j'ai regardé déjà si elles marchent. Et puis je rachèterai des caoutchoucs, quoi. Mais voilà, deux manettes que j'ai eues qui sont encore, je crois, dans la voiture. Je les ai pas enlevées. J'ai eu tellement de trucs. Hier, j'ai fait le magasin. J'ai acheté aussi du grain pour mes poules, les animaux. Hein, les animaux, croyez pas. Je ne fais pas ce métier d'avoir des poules et de ramasser l'argent. Hein, pas du tout. Mes poules, mes animaux. Mais c'est vrai, elles me rapportent un petit peu de sous. J'avoue, je vends pas mal d'œufs là. Avant de vendre des œufs fécondés, là, pour l'instant, je vends que des œufs pour la consommation. Voilà, parce que quand tu vois le prix des œufs, j'en vends beaucoup à Emmaüs et tout ça, à des gens que je connais, les voisinages, parce que ben, 12 œufs, je les vends 1,50 €. Tu vois, je suis moins cher que pas cher. Parce que ben, quand tu vois 12 œufs bio, tu es quasiment à 5 euros. C'est un truc de malade. Donc, voilà, quoi. Et puis, elles sont toute la journée. Bon, là, il pleut aujourd'hui, donc elles sont pas trop dehors, elles restent près de leur. Elles ont un hangar, hein, carrément pour elles, donc elles sont très très bien. Elles ont leur nichoir, leur pondoir, et voilà, elles sont heureuses, donc elles pondent bien. Je ramasse une dizaine d'œufs tous les jours, voilà, comme ça je vous dis tout. Donc voilà, après j'ai acheté. Ça, c'est des achats que j'ai fait à Emmaüs, du coup, il y a le petit prix derrière, vous voyez. 3 euros, je l'ai dans deux versions différentes. C'est une troisième version que j'ai, donc Frères d'armes, Band and Brothers. Donc voilà, j'ai une fois en boîtier métal, une fois ce boîtier comme ça, mais d'une autre couleur, donc en version française. Hein. Voilà, donc le boîtier. Je vais essayer d'aller très très vite, les amis. Je suis encore débordé aujourd'hui. Je dois aller rendre un petit service à. Mon président, il a un problème de télé. Donc voilà, bon, je vous le montre à l'envers, mais bon, vous aurez compris. Voilà. Donc très très belle série. Je crois que c'était sur la 6 que ça passait. Ou sur France 2, je ne sais plus. Une des deux chaînes, mais je crois que c'était plutôt sur la 6 que ça passait dans les années 90, fin 90. Donc voilà, j'ai assez. Putain, Greg, arrête de boire du Pepsi Max. Donc 3 euros. Ça c'est neuf, ça c'est neuf. Ça c'est de l'occasion, tout ça c'est de l'occasion.
Donc, j'ai du DVD. Je vais vous montrer. Il y a de très belles choses. Surtout un. Donc, qui m'a plu pour plusieurs raisons. Attendez. J'ai un petit truc sur mon tel. Il est 15h. Donc, j'ai mon réveil qui se met en route. Vous l'entendez pas, mais moi, je l'ai vu. 15h, c'est l'heure où je dois prendre mes médicaments, mon biberon et changer ma couche. Non, c'est 15h. Je ne sais plus pourquoi j'avais mis 15h. C'était hier. Il fallait que je parte parce que j'avais un truc à faire. Donc, à 15h, il fallait absolument que je parte de Brive pour rentrer ici parce que ben, il y a déjà un petit temps pour rentrer. Et je vais faire ben, des achats, des graines. Je devais aller chercher des trucs pour mon vidéoclub et tout ça. Donc, voilà. Je ne vais pas commencer par celui-là, vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu et vous ne l'avez pas vu. Voilà. Donc, de l'occasion ici avec le chinois se déchaîne, Jackie Chang. Tout ça, j'ai acheté un 50 centimes à Emmaüs, Amityville 2. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment la suite du 1. Il faut vraiment que je le regarde. Les gens vont me dire bah, si c'est 2, c'est peut-être la suite du 1. Mais voilà, mais la suite, la vraie suite, quoi, je ne sais pas. Parce qu'il y a eu plusieurs, c'est comme l'Exorciste, hein, il y en a eu des millions. L'Histoire sans fin, bon, je l'ai en coffret, mais bon, je ne l'avais pas comme ça, cette version-là toute seule. Un qui est quand même assez rare, qu'on ne voit pas tout le temps passer. Alors, je me rappelle, donc voilà, c'est avec Catherine Deneuve et Jean Marais, si je me rappelle bien. Ouais, il est marqué là en plus. Et donc voilà, Peau d'âne que je regardais. Bah, ça passait au moment de Noël. Hein, j'étais gosse. Il faudrait que je regarde pour me souvenir. Bon, évidemment, les acteurs ont bien vieilli. Parce que j'ai vieilli aussi depuis le temps. Pas beaucoup finalement, pas beaucoup. Hein. Dites-moi quel âge j'ai, vous verrez, vous allez être surpris. Donc là, il n'est pas dedans. Mais c'est normal, je l'ai regardé bah, cette nuit en rentrant. Très très bon film, La maison au bout de la rue. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était un très beau film. Un peu à suspense, mais vraiment vraiment très bien. Donc voilà pour tout ce qui concerne l'occasion en DVD. Un petit jeu Play 4 aussi avec les deux manettes. Voilà, le Lego The Hobbit. Donc voilà, je sais même pas si je l'ai dans la collection ou pas, à voir. Juste pour le kiff. Il est complet, il y a même une notice en Play 4, ce qui est quand même pas. C'est le luxe, c'est le luxe. Voilà, et après, bon, là, c'est trois achats que j'ai fait. J'ai payé ce DVD 1 euro, les amis. Je suis rentré, donc c'était il y a 15 jours. Je ne l'ai pas présenté encore. Mais voilà, c'est donc voilà, dans ma série DVD de la Warner, donc avec le clapet en plastique et le boîtier en carton. Mais regardez ça, si c'est pas beau. Donc voilà, c'est les prémices de la série. Donc il y a deux fois 1 heure et demie, le film. Donc voilà l'arrivée des visiteurs sur la planète. Et après, bah, voilà le journaliste et la scientifique. Donc voilà, c'est un DVD comme ça. Face A, 1 heure et demie. Face B, 1 heure et demie. Et après, bah, la série commence juste après. Après ces deux films. Donc voilà, très content de l'avoir. Et c'est vraiment, il est comme s'il était. Enfin, regardez, il n'y a aucun coût, rien du tout. J'ai payé ça 1 euro. Franchement, c'est un objet qui ne court pas les rues. Alors, j'ai pas la série et j'aimerais bien la trouver. Pas la série qu'ils ont fait dans les années 2000, hein, mais la série des années 80, hein, où je crois que c'était le mardi soir ou le mercredi, un jour de la semaine, je ne me rappelle plus. Voilà, je regardais quand j'étais gosse, j'avais moins de 10 ans, puisque c'était quand j'habitais ce qu'on appelait nous à l'époque la petite maison. Tu vois, on n'était pas très très riche, on avait une petite maison de ville dans le nord. Et voilà, je me rappelle que je regardais ça quand j'habitais là-bas. Après, encore une série que je voulais acheter il y a un petit moment, j'ai dit je vais attendre, je vais attendre. Bon, je l'ai pris en DVD, j'aurais pu la prendre en Blu-ray, mais bon, je l'ai pris en DVD. Donc voilà, The Last of Us.
Donc j'ai déjà regardé. Donc il n'y a pas tant d'épisodes que ça, hein. Ça va très très vite à regarder. Du coup, il n'y a que 1, 2, 3 et 4 DVD. Ça va vraiment assez vite à regarder. Je ne sais même plus combien d'épisodes. Mais donc voilà, je suis content, je l'ai vu. J'ai pas une appréhension particulière à dire il est bien, il est pas bien. Je suis content de l'avoir vu. Point. Ça s'arrête là. Je pense que au niveau des acteurs, peut-être il y a eu, je vais pas dire une erreur de casting. Je suis pas critique d'art, mais j'aurais peut-être pas forcément pris la petite. C'est peut-être parce que je suis un petit peu dans Stranger Things, mais j'aurais peut-être pris une des actrices qui joue dans cette série plutôt que cette actrice que je ne connais pas. Peut-être que vous la connaissez, mais j'aurais peut-être pris. Par contre, l'acteur, lui, me plaît assez bien dans l'ensemble. Donc, il jouait dans le Taken 2 avec Liam Neeson. C'était une ordure, en fait. Hein. Dans Equalizer, pas dans Taken. Je dis n'importe quoi. C'est dans Equalizer 2 qu'il jouait. Mais par contre, je trouve que lui a bien son rôle. Voilà. Mais bon, après, ça n'engage que moi. Je vous parlais d'Equalizer. Il est sorti. Je l'ai pris hier. Donc, je l'ai regardé, évidemment, aussi, tout de suite en rentrant. Je suis rentré de bonne heure. Je me le suis mis. Et enfin, franchement, pour un volet 3, j'étais agréablement surpris. On se dit tout le temps que les suites sont pas forcément réussies. Après, bon, j'ai les PLV d'Equalizer 3, j'ai le DVD du coup, j'ai la grande PLV, j'ai la grande affiche de cinéma et la petite affiche de cinéma. Donc là, je suis, on va dire, j'ai le full set, allez, on va le dire comme ça, mais voilà, très content. Et franchement, je vous le conseille. Bon, déjà, Denzel Washington, vous savez que j'adore, mais il a encore un super rôle. Dans ce film, et là pour le coup, c'est en Italie qu'il est, et voilà, il sauve un village de la mafia, on va dire. Donc voilà, excellent film que je vous conseille à voir au moins une fois, mais je sais que je vais le regarder peut-être ce soir, peut-être demain, mais je vais le regarder et peut-être me refaire le 1, le 2 et 3, puisque j'ai la trilogie. Alors, il est sorti en version 4K, évidemment. Il est sorti en Blu-ray, évidemment. En DVD. Et ils ont sorti un coffret DVD des trois volets. Pour ceux que ça intéresse, évidemment. Après, il y a un petit peu d'audio. Alors là, tout ça, c'est cadeau. C'était ramené par un client. J'ai eu le best-of de Jimmy Cliff. J'ai du Toc Toc deux fois, deux albums. Donc voilà, je ne connais pas forcément les albums, donc ça va être une découverte pour moi. Je n'ai pas mes lunettes, donc voilà, là c'est The Color of Spring, pardon. Et là c'est, putain, c'est Parlophone. Donc voilà, les CD ont la même couleur, mais ce ne sont pas les mêmes albums, vous voyez. Donc voilà, bon, après il y a peut-être des titres que je vais connaître, hein, mais... Là, pour le coup, ce sont des Anglais. Vous voyez les clients anglais que je vous ai parlé. Tout ça, ça vient de eux. C'est pour ça que je vous avais dit que je vais parler anglais, parce que j'ai des clients réguliers anglais. Et c'est vrai qu'on a une grande, grande communauté d'anglais ici, de hollandais, d'allemands, qui ont des résidences secondaires. Donc, ils viennent. Et là, là je les ai vus, c'était mercredi, ils étaient là pour les vacances. Donc, voilà, et c'est pour ça que dans les vide-greniers ici, j'arrive encore à faire de bonnes affaires, parce que. Ils viennent en vide-grenier pour décorer et aménager leur maison. Donc, ils achètent des meubles, des chaises, des tables. Là, chez nous, ils viennent acheter des frigos. Parce que, bon, ils ne vont pas acheter un frigo à 600 balles. Nous, on a des frigos qui sont beaucoup, beaucoup moins chers que ça. Et pour l'utilisation qu'ils font, ils viennent que 5 semaines dans l'année. Hein. Ils viennent un peu à Noël. Ils viennent en juillet ou en août. Donc, voilà, ils viennent chez nous. Pour le matériel électroménager, on va dire, machine à laver, gazinière, des micro-ondes, enfin voilà, et puis des frigos. Voilà, donc j'ai eu les meilleurs de Bon Jovi, donc ça je vais écouter, je vais me régaler, je vais mettre ça dans la voiture. Les Bee Gees, number one, donc il y a du très bon, mais celui-là je l'ai déjà, je suis sûr. David Bowie. The Next Day. ABBA.
Arrival, là pour le coup, ça n'a rien à voir avec. C'est suédois, hein, une fois. Bah. Et après, ils avaient un double, ils me l'ont ramené. Donc, je suis là aussi, je l'ai en double du coup. C'est Germany 2001 Rocks, il y a deux CD et c'est Radiohead. Donc, il l'avait deux fois. Donc, voilà. En fait, elle m'a dit en anglais que c'est. Elle l'avait, son compagnon l'avait. Et voilà, quand ils se sont mis ensemble, bah, voilà, ils ont ramené chacun ce qu'ils possédaient et se sont aperçus qu'il avait en double. Donc voilà, donc j'ai eu ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CD voilà, en cadeau par ses clients. Voilà, je suis honnête avec vous, hein, moi je vous dis tout, j'essaie d'être le plus transparent possible. Je suis très 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 gâté, je ne sais pas, c'est comme ça, comme ce petit verre Snoopy, j'ai dit que je collectionnais. Les verres Amora des années 80 avec voilà, Jace et les concurrents de la lumière, Goldorak, Ulysse 31, les Tortues Ninja, j'en ai une cinquantaine. Donc voilà, j'ai encore eu ça hier, donc ça je l'ai eu à Eliane, voilà une personne avec qui je suis à Emmaüs. J'ai eu un autre cadeau de la part de mes collègues. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, regardez-moi ça. Vous avez reconnu? Donc là, on est clairement dans Retour vers le futur 2. Je ne l'ai pas mis, je l'ai mis sur mon mannequin. Parce que bah, mon mannequin, il JP le sait. Je vais essayer de le décorer. Il faut que je trouve la veste, il faut que je trouve un t-shirt. J'en ai déjà un t-shirt. Là, pour l'instant, je l'ai équipé des maîtres de l'univers. J'ai remis le casque VR. Mais voilà, mais il sera normalement destiné. Ouais, ça va, pas trop mal. Et je ne m'étais pas vu encore. Mais bon, je ne peux pas jouer le rôle de Marty McFly. Voilà Junior, mais voilà, donc c'est un cadeau, donc voilà, je suis très très content, donc là c'est mes collègues, et le rebord comme ça de la casquette, il est en velours, il est franchement magnifique, c'est un très très beau cadeau, voilà, regardez-moi ça, ces couleurs, c'est bon, c'est officiel, hein, je sais que sur les sites en ligne, il y a beaucoup de la contrefaçon, mais là, celui-là est officiel, hein, ils l'ont acheté en magasin. Ils l'ont pas acheté sur le net. Je me suis acheté il y a 15 jours maintenant. Bon, désolé les amis, ça a coupé. On m'a téléphoné. Donc voilà, ça tu peux rien faire. J'ai pas bloqué les appels, rien. Donc voilà, mais bon, j'en étais là. J'ai acheté ça, c'est pour mon vidéo club. Donc voilà, c'est ça concerne Disney. Voilà, donc très très beau, hein, avec Pluto, avec Mickey. Avec Dingo, il y a vraiment, c'est très très beau, c'est Disney, c'est au Far West, je crois. Donc voilà, vraiment, ça va être très très, ça va être très joli. Je fais attention aux reflets pour que vous puissiez profiter. Il y a un support comme ça et je mettrai ça dans le vidéo club. C'est très très joli. J'ai trouvé ça en magasin, magasin d'occasion. Enfin voilà, ça c'est le genre de truc que je raffole, surtout pour le vidéo club. Vous avez vu? J'ai eu ce présentoir où il y avait le Avatar. Donc, pas le film, mais le jeu. Voilà, je vais le lever un peu. Il y a un fond et tout ça qui vient de tomber, évidemment. Mais voilà, très très bon présentoir. Très très beau présentoir que je vais remettre correctement. Évidemment, il est enlevé de son support. Donc, il s'est un petit peu. Donc, voilà, comme ça. Mais hop, dans les encoches. Et donc après, ben, il y avait les cubes aussi qui sont derrière. Vous les avez vus, j'en avais eu deux. Et ensuite, ben voilà, le Avatar Frontiers of Pandora. Donc voilà, ici, j'essaie de pas le faire tomber. Mais en Play 5, bon, je peux pas le coucher. Mais voilà, encore. De jolis PLV, et puis on va finir les amis, et on s'arrêtera là pour cette fois, même si je ne vous ai pas tout présenté, mais ça fait déjà une vidéo qui est assez conséquente, mais voilà, il y avait des bons plans hier, je suis allé me balader, donc en rapport avec le cinéma, je l'ai mis sur le groupe, j'ai envoyé des photos, ceux qui aiment les pop, et qui collectionnent les pop, il y avait des bons plans, voilà une pop à 15 euros, voilà, donc là, il s'agit de Morpheus, évidemment Matrix, à 2,99 €.
Et Trinity, pareil, bon, celle-là, elle était déjà moins chère que d'habitude, elle était à 7,99 et il la vendait à 2,99 €. Donc voilà, bon, par contre, il n'y avait pas Néo, donc je l'ai pas, je l'ai pas, et, mais je vais aller refaire, je vais aller refaire un petit tour, on verra, je vais aller dans les magasins qu'il y a ici sur le secteur et je verrai s'il n'y a pas. Et après aussi, pour, donc, pour le vidéo club évidemment, et un autre pour le vidéo club. Donc là, on est sur du Disney et on est sur Hook. Donc voilà, très 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 jolie figurine. Donc qui passe de 30 € à 5 €. Donc très content. Je vais vous le déballer quand même parce que pour les montrer, bon, je vais pas déballer les petites, mais celle-ci qui est un peu plus grande, hein, vous voyez la différence entre les deux. Donc voilà, mais elle est très jolie. Celle-là, je l'ai déballée hier. Enfin, je les ai toutes déballées pour les regarder. Mais très content. Je vous montre un petit peu comme ça. Vous l'aurez déjà, la boîte est juste magnifique. Bon, évidemment, j'ai enlevé les scotch. Hein. Mais bon, là, pour le coup, les scotch, c'est pas trop trop compliqué à enlever. Mais regardez-moi cette jolie petite figurine. Elle est très jolie. Donc, Hook à bord de son bateau. Sa petite main avec le crochet ici. Voilà, mais regardez, c'est très 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 joli. Je suis assez content. J'en achète pas beaucoup. Ça m'intéresse pas de faire une collection. Il y en a tellement. Mais voilà, il faut vraiment que ce soit des choses assez atypiques. Et puis bah, la tête, elle bouge. Voilà, elle n'est pas cassée, elle bouge vraiment. Voilà. Cette jolie petite figurine avec, voilà, il est à bord de son bateau sur, je sais pas comment on appelle ça, gouvernail, bah oui, gouvernail. Non, c'est le gouvernail est à l'arrêt, à l'arrière. Mais voilà, il est, je sais plus, bon, on s'en fout de toute façon. Il est au volant de son bateau. Donc voilà les amis, pour cette première petite vidéo. Ouais, c'est gouvernail hein, quand même. Ouais, je crois, je crois. Je crois, ouais, c'est le coca, je suis. Donc voilà, première vidéo de l'année avec mes derniers achats de l'année dernière, du coup. Et voilà, je suis plutôt content. Je ne vous ai pas tout montré, j'ai encore des bricoles et tout ça, mais je vais essayer de faire court pour ne pas vous déranger trop longtemps. Mais bon, après, vous savez, je vous le dis tout le temps, hein, vous mettez sur pause et vous reprenez un jour de la semaine où vous avez le temps pour finir de regarder la vidéo. Donc, comme d'habitude, cette année, bah, les projets, j'attends évidemment avec impatience les vide-greniers. Il y aura présentation de mon vidéo club, présentation de ma collection de jeux vidéo avec les deux gaming rooms. Il y aura quoi encore? Peut-être une présentation de toutes les PLV que j'ai, parce que j'approche tout doucement des 100 PLV. Alors, elles ne sont pas toutes installées. Par contre, j'en ai beaucoup, beaucoup d'exposés. Hein. Rien qu'ici, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre. Déjà, rien qu'ici, 24. Hein. J'en ai beaucoup de pliés, de rangés dans du papier à bulles. Je suis très content. J'espère qu'encore cette année, ça va être une année où je vais pouvoir en récupérer. Elles sont très convoitées. Hein. Je ne sais pas si c'est à cause de moi, bête comme je suis, de vous en parler, mais bon, après, je ne vais pas cacher ce que j'arrive à avoir. Dans les cinémas, ils commencent à les faire payer, malheureusement, et c'est bien dommage, parce qu'avant, ils les donnaient, et puis, bon, il y a eu tout ce. Oh, c'est comme le jeu vidéo, je ne vais pas vous refaire la chanson, hein, mais voilà, les achats, reventes, les trucs qu'on a pour rien et qu'on revend. À des prix de fou, c'est pareil pour les affiches de cinéma, malheureusement. Et j'ai récupéré voilà, des belles affiches là. J'en ai eu des très très belles cette semaine encore, et donc voilà, très content. Et c'est encore mieux quand c'est des anciennes affiches. Pour le vidéo club, ça va donner un cachet vraiment, on sera vraiment dans le thème. Après, donc, je vous ai dit, les vide-greniers, je reprendrai peut-être les live jeux vidéo. Je vous promets pas, je vais essayer. Voilà, je vais tenter parce que ben, mes samedis sont très très pris. Hein.
Et après, avoir envie de jouer, je joue, hein, j'ai installé, j'ai une belle salle de jeu là-haut, où j'ai mis mes écrans tatés pour jouer au shoot'em up, notamment. Après, bon, j'ai 3-4 PC maintenant. J'ai aussi eu une grande, comment appeler ça? Comment je vais appeler ça? Franchement, c'est pas un bar top, hein, mais c'est, voilà, on va dire un gamepad avec deux joueurs et il y a 5000 jeux dedans que j'ai branchés, que j'ai testés. Donc voilà, avec beaucoup de systèmes dedans. Donc voilà, je m'éclate aussi beaucoup avec. En ce moment, je suis en train de jouer à Clown Master, je suis en train de jouer à Raiden, et je suis en train de jouer aussi à Bomb Jack. Voilà, pour le tout. Et puis, bon, je vous présenterai ça, tout ça cette année. Et puis après, on verra. Il y a des choses qui viendront se greffer, je pense, tout au cours de cette année 2024. Voilà, je vous renouvelle mes voeux. Je vous souhaite le meilleur. Profitez de vos collections, les copains. Et voilà. Et puis, faites-vous plaisir. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé. Prenez soin des gens aussi. L'année 2023 était quand même, au point de vue de l'actualité, catastrophique. Et voilà, j'aimerais bien que on passe à autre chose parce que on est dans une escalade de choses qui sont pas jolies à voir, qui sont pas belles à quand tu allumes les chaînes d'infos le matin. C'est peut-être tu te demandes quand est-ce qu'il va y avoir une bonne nouvelle, quoi. Voilà. Donc voilà, bon, je souhaite le meilleur. Ne soyons pas pessimistes, au contraire, soyons voilà, un petit peu avec des ondes positives pour envisager une belle année tous ensemble. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, les copains et les copines, puisqu'il y a quelques filles quand même qui regardent la chaîne et ça fait très plaisir. Ah, déjà, après, je remercie. J'ai des gens qui me regardent en Italie. J'ai regardé un petit peu mes stats. J'ai des gens qui me regardent en Italie, aux États-Unis. Je crois que là, c'est à cause de l'unboxing du Goldorak, l'édition collector de la Play 5. J'ai Italie, j'ai États-Unis. J'ai la Belgique, évidemment, beaucoup, hein, ils viennent tout de suite après les Français. J'ai la Suisse, évidemment. Et après, bah, j'ai quoi? La Réunion. Très bizarre. Donc, merci les amis de me regarder jusque là-bas. C'est vrai que par la vidéo, on est très très proche, mais franchement, ça fait de la distance. Et j'ai le Canada aussi. Voilà, j'ai des Canadiens. Donc, merci à vous tous, les amis. Ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ça me touche tout le temps beaucoup. Et j'essaye tant bien que mal de répondre à tout le monde. Voilà, pour dire que je suis passé sur vos commentaires. Et puis, ben, tous ensemble, on a ce plaisir d'échanger. Il y a des fois, et je le dis tout le temps, je ne connais pas tout. Je fais rentrer des choses. Je n'ai pas toutes les infos. Parce que je ne prépare jamais mes vidéos. Hein. Je ne vais pas sur tel site pour dire ouais, je vais faire style 2 que je connais. Voilà, il y a des choses que je ne connais pas, comme je vous ai dit, je sais plus sur quoi. Voilà, The Last of Us, voilà, j'aurais pris peut-être une autre actrice. Après, c'est un jugement qui est personnel. Mais vous, est-ce que, voilà, par exemple, un sujet, voilà, une série tirée d'un jeu, est-ce que vous en avez pensé et, voilà. Si les acteurs, vous auriez pris les mêmes, voilà. Moi, j'aurais gardé le mec qui a quand même un petit peu cette ressemblance avec Drake, mais voilà, la fille, j'aurais peut-être fait un autre choix. C'est peut-être parce que je suis dans Stranger Things en ce moment, mais je pense qu'il y avait peut-être une ou deux actrices qui auraient pu jouer le rôle, peut-être Max qui aurait pu jouer ce rôle. Voilà. Donc je vous fais la bise, on se dit bah, peut-être la semaine prochaine, sans doute même. Et en attendant, bah, prenez soin de vous, soyez sages, mais pas trop. Ciao, ciao, salut les amis, et merci d'être passés. La bise.